La capitale sénégalaise va bientôt renouer avec l'ambiance des grandes soirées d'athlétisme. Après plusieurs années de pause, le meeting international d'athlétisme de Dakar est en effet de retour le 25 juin prochain. Et pour ce grand retour, le comité d'organisation compte réussir le pari de la mobilisation, de l'organisation et de la participation. Nous voulons, à travers ce meeting, avoir de la visibilité à travers un événement phare qui soit propre à la Fédération sénégalaise d'athlétisme. La réussite de cet événement dépend franchement de l'adhésion du public et des annonceurs du secteur privé. C'est pourquoi on compte beaucoup sur la presse pour relayer l'information pour que les annonceurs et le secteur privé puissent venir nous accompagner. Notre mission repose essentiellement sur trois aspects fondamentaux. Il s'agit de réussir les défis de la mobilisation, qui est vraiment importante, de l'organisation et de la participation. Selon les organisateurs, le retour de cette compétition est l'occasion rêvée pour repérer de nouveaux talents dans la première discipline olympique en vue des Jeux olympiques de la jeunesse 2026 à Dakar. On est en train d'effectuer des séances de détection au niveau des régions. Et on a sélectionné, il y a une bonne graine qui est issue de ces séances de détection qu'on est en train d'encadrer en direction de 2026. Où nous allons détecter des jeunes et là sur mon téléphone, nous avons tous les gamins à Guédiawaye, les enfants, leur nom, leur prénom, leur date de naissance et l'école où ils sont et le maître. Donc nous allons faire ça partout au Sénégal et ça nous permettra d'avoir une bonne détection pour pouvoir les encadrer en vue des JOJ de 2026. Près de 150 athlètes en provenance d'une vingtaine de pays sont attendus au meeting international d'athlétisme de Dakar qui ne s'est plus tenu depuis 2016.